Gêné pour la tête de Calfala en retrait sur le côté droit pour Sanchez. C'est bien joué. Sanchez dans sa bonne réparation. Le centre au deuxième poteau. Et Gennaro qui se met dans le but. Et la première erreur, à mon avis, de Gennaro Brasiliano. L'ouverture du score de cette équipe valenciennoise. Sur le côté droit, ce centre sans doute du numéro 1 de cette équipe de Valenciennes, avec Mamadou Samassa qui ouvre le score. Mamadou Samassa qui, à mon avis, ne veut pas lober Gennaro Brasiliano, mais plutôt centrer au 6 mètres. Vous me direz ce que vous en pensez, Philippe. Mais il a lobé Gennaro Brasiliano, et je crois que nous en fond, Philippe, non? Il a l'air contré au départ, le centre, effectivement. Le ballon semble contré. Ouais, il me semble qu'il est contré au départ, ce centre de Samassa, et du coup, effectivement, Gennaro Brasiliano, qui est pas très bien sur ses appuis, a du mal à revenir. Avec justement Floyd Haïté à l'antenne, se fait en réparation, la frappe d'Haïté contrée, l'égalisation, l'égalisation sur cette frappe d'Haïté. Eh bien, ça fait un coup du sang partout, cette frappe d'Haïté qui est, je crois, est contrée par Julien Perry. Il voit même pas qu'elle est contrée, cette frappe. Et là, Estancil en aide Philippe Rollon, égalise après 17 minutes de jeu. Alors, je sais pas si on peut l'accorder à Floyd Haïté, mais en tout cas, cette frappe à l'entrée de la surface de réparation du pied gauche est détournée, je crois, par Julien Ferret, et ça trompe complètement Nicolas Pento. Et là, Estancy Lorraine, Philippe Renaud égalise Nancy. Oh, il est beau, ce but. Valenciennes. Ah, et je crois que c'est Julien Ferret, hein, qui détourne le ballon. Ah, c'est pas le plus beau but de la saison. Ah, mais c'est le premier. Plus, hein. C'est le premier et il est valable. Et il me semble effectivement que c'est Julien Ferret. La frappe à côté. La frappe de Ben Kalfala à côté. Et ben, 10 points. Ça fait quand même deux buts en bois, hein. En ce début de match, on va finir par faire une cabane. Attention à la frappe de Tiené, hein. Tiené, il a un très bon pied gauche, attention. Avec la frappe de Tiené, et le poteau! Le poteau qui sauve Gennaro! Le poteau qui a sauvé Gennaro Brasiliano! Et ensuite, Saez a repris, l'a mis à côté. Heureusement pour les Nancéens. Et pour faire une bonne saison, il faut marquer dans ses temps forts et tenir dans ses temps faibles. Et Nancy va devoir montrer qu'elle a du caractère dans cette petite période de doute. Le corner au premier poteau, la tête sur le poteau encore. La tête sur le poteau. Avec Michael Chrétien sur le côté droit, le long de la ligne de touche, qui veut donner à Issardia pour Julien Ferré. Julien Ferré face à Péton. Vas-y, Juju, il est à la prison. Ouais, le but de Jonathan Brison sur cette passe décisive magistrale de Julien Ferré. Il lui a donné un ballon en or, Julien Ferré. Le face-à-face avec Nicolas Pento, Julien Ferré. Il aurait pu tout faire. Il aurait pu le dribbler. Il aurait pu le lober. Il aurait pu frapper instantanément. Et bien non, Julien Ferré a attendu que Jonathan Brison soit presque à la hauteur pour lui donner une passe magnifique de l'intérieur du pied droit. Évidemment, Pento est battu. Le but est vide. On prend le pénalty quand Jonathan double le score. Et là, Estancy Lorraine, Philippe Renaud mène 2-1 ici à Valenciennes au bout d'un quart d'heure de jeu dans cette seconde période. Centre de Tiené dans les bras de Jenna. Dans les bras de Jenna. Il aurait dû relancer vite, Jenna. C'est ce que lui dit Pablo. Il fallait relancer vite, Jenna. Pour Julien Ferret. Eh oui! Et voilà! Mais c'est pas vrai, Jenna. Il y a un coup franc direct. Mais oui! Pour les Valenciennois, mais oui! Mais c'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas possible de faire une faute pareille! Et c'est Ben Kalfala qui va décaler Dani, qu'il faut pas trop dans le mur, les mecs! Pas trop dans le mur! Pour pas qu'il soit transpercé! Attention, avec Ben Kalfala, il fait mine pour Dani, que la frappe! Elle est contrée par le mur, heureusement! Et penalty, et voilà! Penalty parce que la frappe de Dani qui arrive sur la main de Jonathan Brison! Mais pourquoi Gennaro n'a-t-il pas dégagé ce ballon plus vite? Gennaro face à Danik, Danik face à Gennaro, faites votre choix. Allez, Jenna sort là, 2-1 pour lancer pour le moment. Il prend sa course d'élan face à Gennaro. Et l'arrêt de Gennaro. Voilà Gennaro, il s'est rattrapé. Gennaro Brasiliano, il s'est rattrapé de sa boulette. Il avait envie de se rattraper, Gennaro. Et voilà, il lance sans doute sa saison, Gennaro.
Julien Ferret qui se débarrasse. Denham qui veut donner à Dia. Dia qui va essayer de passer. Vas-y, Isha. Il rentre dans la surface. Vas-y, Isha, penalty. Ouais, le penalty pour l'AS Nancy Lorraine. Le penalty pour les Nancéens. Parce que Dia, avec sa vitesse, il a réussi à se débarrasser d'Abardonado. Et Abardonado, il a poussé Issardia. Et il y a un penalty, Philippe, pour les Nancéens. Et c'est sans doute la balle de la gagne. C'est Traoré qui prend ses responsabilités, la recrue nancéenne. Traoré, allez, mets-le au fond, s'il te plaît, Bakaï. Il prend pas beaucoup d'élan. Vas-y, Bakaï, face à Pento. Bakaï, et le but de Traoré. Nancy mène 3-1 ici, à Valenciennes, à 20 minutes de la fin. Le premier but en Ligue 1 de Bakaï Traoré. Et la AS Nancy Lorraine mène 3-1 à 20 minutes de la fin. Peut-être un quatrième but, Traoré qui va trouver Issardia. Issardia dans la profondeur, il va essayer de dribbler Pento. Et oui, expulsion de Pento en plus. L'expulsion de Pento à la dernière minute de jeu parce qu'il a touché le ballon de la main au moment où il sortait sur Issardia qui a voulu le lober. Et en dehors de sa surface, Nicolas Pento se fait expulser. Oh là là, l'expulsion casquette. C'est Mateur qui va dans le but. S'il la cadre, Benjamin, ça peut faire but. Hein. S'il la cadre, Benjamin, ça peut faire but. On est vraiment, on est dans l'arc de cercle, plein axe des 18 mètres. Allez, Benjamin Gavanon avec son pied droit. Il vient de le rentrer. Benjamin, s'il la cadre, s'il la passe au-dessus du mur, il y a but à mon avis. Benjamin, c'est parti et c'est au-dessus malheureusement. C'est parti et c'est au-dessus. Et c'est terminé! L'AS Nancy Lorraine remporte son premier match de l'année ici à Valenciennes. Une victoire, je dirais, dans l'ensemble, dans la production globale, plutôt logique. Beaucoup de faiblesses côté valenciennois, beaucoup de progrès à faire dans le jeu du côté nancéen. Mais franchement, c'est bien joué de la part des Nancéens ce soir, qui certes ont eu un premier quart d'heure difficile en seconde période, mais qui dans l'ensemble ont montré beaucoup plus de qualité que cette équipe valenciennoise.